Bonjour, c'est Leila, and welcome to French Today. Today I'm going to tell you about cats and dogs in French. Les chiens et les chats sont des animaux de compagnie. Alors, nous allons commencer par les chats. Souvent, en France, on appelle un chat un minou ou un minet ou encore un matou. Mon chat ici s'appelle Mistigris. Une dame chat s'appelle une chatte. Souvent, en France, on dit une minette. Et c'est aussi le nom que j'ai décidé de lui donner. Et un bébé chat s'appelle... un chaton! Il est trop mignon! Quand il veut quelque chose, le chat miaule. En français, il fait miaou. Quand il est content, il ronronne. Et quand il est en colère, il feule. Il peut aussi grogner. Et parfois, il va griffer. Et maintenant, on va voir les chiens. On a beaucoup de noms familiers pour un chien. Un toutou, un clébard, un roquet, un cabot. Ils ne sont pas toujours gentils. Mon chien ici s'appelle Rintintin. Une dame chien s'appelle une chienne. Celle-ci s'appelle Lassie. Lassie et Rintintin sont des noms de chiens traditionnels en France. Ils viennent de séries de télévision. Et un bébé chien s'appelle... un chiot. Oh, il est mignon. Les chiens aboient souvent. En français, ils vont faire waf waf. Et s'ils voient un chat, ils vont grogner, c'est certain. S'ils sont tristes, ils vont gémir. On dit aussi qu'ils pleurent, mais ce n'est pas vraiment correct. Quand leur maître part, ils hurlent parfois. Et bien sûr, les gentils chiens ne mordent pas. Et vous, est-ce que vous avez un animal de compagnie? Si oui, comment s'appelle-t-il? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Remember to check out FrenchToday.com for blog articles and your free audiobook to learn French like it is spoken today. I wanted to take a minute to thank all the viewers that pressed like, shared my video, and left a comment. This means the world to me. Please continue. I read each comment and your support really makes my day. À bientôt, Leila out.